coopération sino-malagas, promouvoir la relation bilatérale. La Croix-Rouge chinoise va fournir une assistance matérielle à la Croix-Rouge malagas et une assistance humanitaire d'urgence de la Chine pour la prévention et le contrôle des maladies infectieuses au ministère de la Santé publique. C'est ce qui a été énoncé par Son Excellence Madame l'ambassadeur de la République populaire de Chine lors du Salon des médias à l'ambassade de Chine à Nansan ce jour. Plus d'explications avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Depuis le début de cette année, pour le moment, il y a 5 projets d'infrastructure en cours, y compris la construction de la route nationale numéro 5A, la voie rapide reliant le port d'Omassina et la route numéro 2. La route des œufs, la voie rapide reliant l'aéroport du Bateau et le boulevard de l'Europe, et aussi les forages de Sampu dans le sud. Tous ces projets d'infrastructure ont connu le bon avancement. Par ailleurs, 23 journalistes malgaches ont effectué un séminaire en Chine du 13 au 26 août. Ils ont pu s'imprégner du monde journalistique chinois lors de leur voyage, ainsi que de la réalité du développement de la Chine ces dernières années. Écoutons les explications de Claudia Rasmussen, rédacteur en chef de MaTV, qui a également participé à ce séminaire. La Chine dispose par ailleurs du plus grand réseau de radiodiffusion et de télévision au monde, avec plus de 2000 stations. Il n'existe aucune station privée. Ces médias contribue au développement social et économique de la Chine. En Chine, les médias constituent une véritable industrie utilisant des équipements modernes et des technologies de pointe. Si des pays sont au stade de diffusion en haute définition ou HD, le 4K qui intègre une nouvelle révolution qualitative de l'image TV est aussi utilisé en Chine. Le peuple chinois va célébrer le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine dans moins de 3 semaines. Depuis ces 70 années, la coopération sino-malagas ne cesse de se raffermir dans plusieurs domaines.